Le manager là, coach B, je suis au coach B là, tu vois. Moi, je sais que je vais aborder. Il y a deux jours, je sais que je vais entraîner, je vais entamer. Donc, non, je pense que côté coach B là, on va essayer de. Voilà. Je vais entrer avec une équipe. Je suis un mec, tu vois. Machallah. Je suis un peu plus tard. Donc, je suis venu. Malgré que les minutes, les le plus important, c'est que l'équipe gagne. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, mais 3 points. Nous pouvons faire, mais n'empêche, j'ai un point. Parce qu'on savait qu'on voulait gagner le match, on l'avait en main jusqu'à la 85e. Quand on a vu comme ça, c'est vraiment. Ça fait mal parce que je pense qu'on a réussi à faire un match solide quand même. Après, en première mi-temps, on a pris aussi deux buts où il était hors-jeu. Je ne sais pas si hors-jeu, il va falloir revoir les images, mais voilà, on a été quand même en difficulté. On a marqué un peu contre le cours de jeu, on a essayé de faire de bonnes choses. Mais je pense que voilà, faut pas faire la fine bouche. Aujourd'hui, on a pris un point. C'est un point qui va être important pour la course à la Coupe du Monde. Et voilà, on va continuer. On sait qu'on a perdu cette première place et on sait que le Sénégal n'aime pas être derrière quelqu'un. Donc on va tout faire pour récupérer cette place. Mais c'est bien, faut continuer à travailler. On sait que c'est difficile aussi la fin de saison. Les gens sont fatigués, les organismes sont fatigués. Je pense que moi, je suis à plus de 50 matchs cette année, donc c'est un peu difficile. Mais voilà, on va continuer, on va pas chercher d'excuses. On sait que dimanche, on va aller en Mauritanie pour gagner ce match. Ça va être difficile. Ils ont perdu aussi, ils ont perdu ce soir. Donc voilà, à nous de faire de bonnes choses pour pouvoir gagner le match. Sachant que la Mauritanie a perdu, vous l'avez dit, est-ce que quand même la victoire sera impérative à nos shops? Ouais, on va tout faire pour. Nous, on se met la pression tout seul. On sait qu'on va vouloir, gagner, on va vouloir faire tout pour gagner ce match. C'est très important pour nous tous. Et je pense que déjà dans le vestiaire, on s'est mis la pression seul pour dire qu'on doit absolument gagner en Mauritanie. Ça va être, mais on va être avec calme aussi parce qu'il ne faut pas précipiter les choses. On sait que ça va être un match difficile. Et voilà, il nous manque aussi des joueurs comme Sadio. Donc voilà, ça, c'est pas des excuses, mais il faut aider les jeunes aussi. Ça va prendre du temps, c'est normal, c'est comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a montré de bonnes choses, mais on est capable de faire encore mieux. Vous l'avez dit, le match a été difficile. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de ces difficultés notées dans ce match? On a eu du mal à mettre du rythme, ils ont mis un bloc médian où ils nous ont pris en contre-attaque et ça nous a mis un peu en difficulté parce qu'on a perdu des ballons trop facilement. Et voilà, sur les contre-attaques, ils nous ont mis en difficulté et c'est ce que le coach ne voulait pas, qu'on prenne des contre-attaques comme ça. On en a pris 2-3, on a pris 2 buts hors jeu, donc voilà, on a pris même sur le dernier but, je pense qu'on peut mieux défendre tous à partir du premier ballon qui part au milieu de terrain. Donc, voilà, mais le football est comme ça, il fait d'erreurs. On sait que c'est de l'expérience aussi pour les jeunes. Donc moi, je sais que les jeunes sont à disposition. On va tout faire pour les mettre dans les bonnes dispositions pour gagner le match de match. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un match correct dans l'ensemble. Je pense que malheureusement, on n'a pas marqué plus de buts que l'adversaire. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce système, il faut le revoir. On a essayé de jouer plus. On a essayé de le faire avec plusieurs combinaisons, ça n'a pas marché, donc je pense qu'il est temps de le revoir et surtout quand on va redevenir indispensable. Ouais, derby là, qui dit derby, voir que du yamb, mais Denis Danfou pour gagner une Mauritanie là, voilà. On sait qu'il veut se qualifier aussi, mais on est là, on va l'avoir pour gagner. Voilà, ça fait un peu plus de 10 jours que je travaille avec l'équipe, que je travaille à ces postes-là. Voilà, les postes sont bien passés, les joueurs m'ont très très bien mis à l'aise. Et je pense que voilà, on aurait pu gagner le match, on aurait dû gagner le match surtout, mais voilà, on a beaucoup de frustration. Vous nous laissez les regrets quand même par rapport au résultat final, vu le contenu après le match? Oui, bien sûr, parce qu'on sait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'occasions. Et c'est ce qui est frustrant parce que nous on aurait pu tuer le match, mais voilà, après ça fait partie du football. Voilà, on est concentré sur le prochain match, on va bien récupérer parce que là ça va être un gros match contre la Mauritanie. Pour être allé si classement, mais malheureusement gagné, mais comme être match nul, c'est pas mal. Vous savez que match vite n'a trop parce que Congo est une balle. Demi-finale, c'est un match. Mais malheureusement, on va aller à Mauritanie pour le championnat.